Va t'amuser ailleurs, ma petite. Bref, je sais, je cherche un criminel pour l'arrêter et le mettre en prison. Est-ce que vous avez vu un criminel? Merci. Un criminel? Oui, j'en ai vu un tout à l'heure. Il vous ressemblait très bien à vous. À Skip, c'est votre criminel. Vous avez votre frère, plutôt. Hein? Non? Pourquoi tu me dis c'est moi? Frère, j'ai envie de te frapper là. Donc en vrai, c'est mon frère. Mais mon frère, il a fait une grosse bêtise. Le problème, il fait trop de bêtises en ce moment, mais je sais pas quoi faire. Donc j'essaie de l'arrêter pour le mettre en prison. Donc j'ai dû faire des feuilles pour tout faire, pour faire à ma place. Et les autres collègues sont tellement occupés qu'ils peuvent rien faire. Mec, il sert à rien, mes autres collègues. J'en ai marre. Vraiment marre. En plus, il a la même voix que moi. C'est incroyable. Allez, ma fille, tu le brises. Comment tu crois sur moi? Non, j'appelle le SAMU direct. Allez, j'appelle le télé. J'appelle le SAMU. Oh, je sais plus quoi faire. Oh, bonjour, le SAMU. Il y a quelqu'un qui a tué le policier en face de moi. Je vais pas le reconnaître, mais nous sommes devant une maison. Non, pas devant, mais vous avez compris quoi. Venez tout de suite. Aide. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui a tué. Et donc, est-ce que vous allez le saigner? S'il vous plaît, dites-moi la réponse. Désolé, mais non. Parce que, en fait, on est arrivé trop tard. On est arrivé 5 minutes en retard. Donc, le temps, on le met sur le tapis. Et pour le réinitialiser, il sera déjà mort, le policier. En plus, dis-toi, je suis sa mère. Donc, merci quand même. Je vous dis au revoir, désolé pour l'annonce, quoi. What? Vous avez une voix de fille? Et merci quand même. Je tremble. Imagine, c'est pas ça. Donc, je me demande c'est qui le vrai criminel, donc. Car c'est chelou que c'est comme ça, hein. En vrai, ouais. Ouais. Tu vas fermer ta gueule, ok? Tu restes sur le site ou je te tue! Donc, tu vas monter dans ma voiture, tout de suite! On va aller à l'église, tu verras! Si tu continues à parler, tu verras la gueule! Tu verras! Ferme ta gueule, je t'appelle la police, t'es mort! Ok, je suis désolé. Vous avez de la chance de l'appeler la police. Oh, ferme ta gueule, à train de pleurer, tu fais pitié, voilà. Donc, on va aller à l'église, et tu verras ce qu'on va faire. C'est un truc que tu vas beaucoup aimer. Du coup, bon, on arrive, bah, tu vas descendre. Tout de suite. Et tu vas rentrer, tout de suite. Allez, monte. Va dans l'église. Tout de suite. Allez. Avant de tout, vous pouvez me raconter votre histoire, pourquoi vous êtes criminel et tout. Quand j'étais petit, mon frère policier m'embêtait tout le temps. Donc, à force, j'étais énervé. Toujours. Ensuite, mes parents, toujours me frapper à l'école. Je me dis, ça suffit. Donc, là, je fais. Ils vont voir ce que m'a regretté toute cette famille. Donc, ensuite. J'ai commencé à demander à quelqu'un une arme pour ensuite le tuer avec mon grand frère. Mais tu l'as dit, ta fille elle l'a déjà fait à ma place, donc c'est carré dans l'axe. Donc voilà. Ah mais c'est triste, mais parfait pour vous, ça vous apprendra à tous les gens. Voilà, vous méritez que ça. De toute façon, tous vos malheurs que vous avez commis, ça mérite ça. Il m'a énervé. Alors, tiens, prends ça dans ta gueule. Aussi. Fallait pas m'embêter, tu vois, quand tu meurs, ça fait du bien, tu peux pleurer, de toute façon tu vas mourir dans quelques minutes ou heures, tant les ambulances ne savent pas où tu es, tu vas rester ici. Donc déjà, tu peux dire adieu à ta vie, car moi je vais m'en aller loin d'ici, je vais déménager dans mon bordel nouvelle, comme ça personne ne me retrouvera, et déjà mon frère, je pensais qu'il doit être mort, c'est carré dans l'axe. Comment ta fille l'a mitraillé car j'étais dans la fenêtre en train de regarder. Donc, au revoir, sale con. Tu mérites que ça dans ta gueule. Et aussi, j'espère que tu vas mourir à l'instant maintenant où je te mets une balle.